Gustave. Donc, vous allez lancer, mettre le ballon au sol, puis tout de suite, vous allez taper 5 fois dans le ballon. Combien de fois? Excellent. Donc, vous avez joué, puis enchaîne, Gustave. Tape en piqué. 1, 2, 3, 4, 5. Oui! Oui! Simple. On fait face au mur. OK. Deux pas dans chaque cas. Reste sur la pointe des pieds. Super! Oui. Allez, vas-y, à toi. À toi, Jacob. Ramène avec les crampons. Ramène. Jogger vers l'arrière. On tape le ballon entre les pieds. Tu joues avec Maxime? C'est quoi le truc là-bas? Dis-moi là. On va juste faire un résumé. Même exercice, sauf qu'on prend deux fois dans chaque cas. Regardez ce que ça donne au ralenti. C'est ça, au ralenti. Oui, oui, super, super les deux, bien joué. Trois choses que vous avez apprises depuis tantôt. J'ai appris à faire des têtes plus puissantes et plus précises, des meilleurs contrôles de ballon et des tirs de meilleure qualité. Ben, ce que j'aime particulièrement, c'est qu'on a tout le temps un nouveau défi à relever. Si on fait bien l'exercice, il en rajoute tout le temps un peu plus, juste pour te compliquer la tâche et que ça t'apprenne encore plus à maîtriser le ballon et tout. J'aime beaucoup tous les exercices techniques qu'on nous montre. Ça développe vraiment les habiletés. Ça rajoute toujours un plus dans notre jeu technique, ce qui aide vraiment pendant les parties, selon moi. Le ballon arrive, puis là, tu es capable. Puis tu continues. Rester alerte, rester sur la pointe des pieds, puis se disperser, être au bon endroit. Après ça, vous êtes tous capables de faire. Je croise avec ce pied-là. Généralement, ce qui va arriver avec le défenseur, c'est qu'il va venir avec moi. Hop, le défenseur, il va venir, puis je tourne dans l'autre sens. Je vais le faire exactement pareil. Oui, beaucoup. Comme quand tu fais des têtes, tu dois prendre un élan par en arrière, comme quand tu kicks la balle. Toujours sur les pointes des pieds. Beaucoup de nouveaux trucs pour montrer. Comme ils te montrent beaucoup de nouveaux trucs ici pour les faire durant les matchs. Fait quand vous le faites, puis vous entendez, merci Max. Puis on entend, c'est facile. Oubliez, mais c'est facile. Il y a tout le temps un petit détail à améliorer. Il y a tout le temps une petite chose que vous pouvez mieux faire. Vous pouvez tout le temps le faire un petit peu plus vite, un peu mieux, de l'autre pied. Je trouve que c'est plus intensif et c'est plus technique et pas plusieurs aspects en même temps. Et on travaille un aspect à chaque jour, donc je trouve ça bien. Moi, je dirais que ça, j'aime vraiment ça et c'est vraiment organisé. Et je dirais aux amis, je vous encourage, je dirais qu'ils devraient y aller. Super bonne habitude. Merci, hein? You're now.